Alias Belmabiki, dirigé par Bienvenu, essaye de promouvoir la culture, ou les cultures congolaises en tout cas, ici en Europe comme au Congo, et c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, il en est à créer une école où l'enseignement commence en Lingala et les autres langues viennent après, quand les enfants sont suffisamment structurés en termes de compréhension ici, en termes d'apprentissage, et par la suite, ils commencent à apprendre le français tout en s'appuyant sur nos langues. Et les résultats aujourd'hui au Congo sont de plus en plus appréciés et suivis de très près par les autorités congolaises. Bienvenue, c'est Nemongaba. Bonjour. Bonjour. Merci de passer, de répondre à notre invitation. Alors, nous avons là un livre, il est tout beau, tout neuf. C'est un dictionnaire. Oui. Lingala, Kikongo, Kiswahili, Chiluba. Les quatre grandes langues nationales du Congo. La première question, lorsque vous sortez un document comme ça, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous en retirez une satisfaction ? Combien de temps ça vous a pris ? Et vous-même, vous pensez quoi de ces produits que vous venez de mettre comme ça sur le marché ? Oui, bon. Disons que au lieu de me donner la satisfaction, ça me fait peur maintenant. Ça me fait peur parce que je vois l'attente des gens et le niveau de l'insuffisance que cela peut rassembler. Mais de l'autre côté, je suis content quand même parce que c'est un gros travail que je n'ai pas fait seul, qu'on a fait en équipe. Depuis officiellement, comme ça, démarrer vraiment le projet lui-même. Avant, comme vous dites, il y a déjà 10 ans qu'on pensait, mais démarrer vraiment le projet, c'est en 2017. Donc ça nous a pris 2 ans pour sélectionner les mots, parce que nous sommes partis de l'idée que nous ciblons l'école primaire et secondaire congolaise. Et puis nous ciblons les Congolais de la diaspora, les enfants et les jeunes qui sont nés dans la diaspora. Donc il nous fallait sélectionner des mots en français. Pourquoi on est parti du français ? Parce que c'est la langue qu'on utilise pour enseigner, même si les enfants ne comprennent pas ça bien. Donc notre but, c'était de traduire ces mots en Lingala, en Kikongo, en Kiswahili et en Chiluba. Et de l'autre côté, permettre par exemple à l'étranger, aux parents congolais, qui sont de plus en plus confrontés aux questions de leurs enfants, et parfois ils sont dépourvus de trouver comment dire ça. Donc un outil de travail. En plus de ça, j'enseigne aussi la traduction des langues congolaises à l'UPN, à l'Université pédagogique nationale à Kinshasa. Donc c'était un outil de base pour les étudiants qui démarrent dans la traduction en langue congolaise. Il n'y a pas beaucoup d'outils dans ça. Donc c'était un élément de base où les étudiants peuvent commencer en première année ou deuxième année, le temps qu'ils puissent se développer dans les langues congolaises. C'est un peu ça. Une question, je vais peut-être te surprendre. Tu as étudié la chimie ? Oui. Professeur de langue ? Oui. La transition a été facile ? Bon, la transition est passée par une thèse de doctorat où j'ai dû réétudier la linguistique et tout ça. Mais au fait, parfois les gens pensent que j'ai quitté la chimie. Au fait, je suis allé dans les langues congolaises pour résoudre un problème que j'avais dans la didactique de chimie. Au fait, j'ai moi-même étudié en français. Donc j'ai appris la chimie en français. Mais chez moi, à la maison, je ne parlais pas français avec ma mère ni avec mon père. Donc, je parlais ma langue. Je parle le Lingala. Moi, je suis de Kingasani, Kimbanseke. Donc, je parle le Lingala. Et j'avais beaucoup de difficultés à apprendre le français. Donc, j'ai dû investir beaucoup d'efforts pour arriver à parler français. Et je voyais comment c'était difficile pour comprendre d'abord le français, ensuite comprendre la chimie. Je suis ici en Belgique, je vois que la chimie elle-même, déjà pour la comprendre, même si c'est dans ta langue, c'est déjà pas facile. Alors on enseigne à un enfant une matière qui est assez compliquée, qui demande beaucoup d'efforts, dans une langue où il ne maîtrise pas. Donc c'est comme ça que je commençais à me dire, mais on doit... Et puis quand je suis arrivé en Belgique, je le répète tout souvent, j'ai vu que les Flamands étudient la chimie en flamand et les Tchèques en tchèque. Donc je me dis, bon, ça ne voulait pas, ça ne, il n'y avait pas de sens que nous, on continue à étudier la chimie ou les mathématiques dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Donc il fallait maintenant commencer à produire de la chimie en Lingala. Oui. Et comme je n'ai pas étudié la Lingala, c'était vite, je me suis vite rendu compte de mes incompétences. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier le Lingala en profondeur pour être capable d'écrire la chimie en Lingala.
C'est comme ça que nous allons revenir sur les dictionnaires et aujourd'hui avec votre école à Kinshasa. Vous pensez que les enfants qui commencent par les Lingala en apprenant certaines matières en Lingala d'abord, je parle de la réalité de Kinshasa, hein, parce que si c'était à Bassankoussou, on parlerait Lingala aussi. Chez mes parents à Idiofa, on va parler Kikongo. À Kananga, ça sera en Chiluba ou je ne sais pas quoi. Alors, vous pensez aujourd'hui, avec l'expérience de votre école, que l'apprentissage à partir des langues nationales apporte un plus au niveau du développement intellectuel de l'enfant? Oui, oui, je dois d'abord corriger. Nous, on fait pas, on commence pas par les langues congolaises pour aller vers le français. Les enfants apprennent en Lingala. Ça veut dire que ils apprennent le mathématique, la géographie, la chimie, la physique, la couture. Tout, ils apprennent en Lingala de l'école primaire. Là, cette année, on va ouvrir la cinquième secondaire jusqu'en sixième secondaire. Ils apprennent tout en Lingala. Les cours de français, c'est pour apprendre la langue française. Les cours d'anglais, c'est pour apprendre l'anglais. Mais tous les autres, ils ne font pas comme un passage. Ils n'apprennent pas la chimie. Ils n'apprennent pas les Lingala pour aller apprendre. Non, ils apprennent la chimie en Lingala du début à la fin. Ensuite, oui. Et vous avez des enseignants formés pour ça? Oui, donc c'est un travail de recherche-action. Je les forme. Ce sont des enseignants qui viennent du circuit normal de l'enseignement congolais. Ils ne sont pas initiés à enseigner en Lingala. Donc, je les forme depuis... Ça, on est à notre sixième année d'existence. Chaque année, au début de l'année, au milieu, à la fin, ils ont des séances de formation. Et chaque fois qu'un enseignant a une question, il se débat entre eux. S'il ne trouve pas, il m'appelle ou il m'envoie un message. Je réponds, on débat. C'est comme ça. Donc, il y a une formation continue. Vous enseignez à l'Université pédagogique nationale. Oui. C'est un terreau aussi pour trouver de professeurs à former pour pouvoir aller enseigner dans cette école. J'avais espéré ça. Malheureusement, le système universitaire congolais est tellement organisé dans le sens de rechercher la connaissance du français, de l'anglais, de voir de manière extravertie que je n'ai pas encore trouvé d'étudiants qui sont intéressés à mon... Ils sont là, hein, ils apprécient ce que j'ai fait, mais je n'ai pas encore trouvé vraiment... Il y en a quelques étudiants très intelligents, les gens... Ça, ce n'est pas de la faute des étudiants. Hein. Ça, c'est vraiment la logique dans laquelle nous sommes dans le pays. Le système, nous sommes extravertis. La personne qui fait l'université a besoin de devenir un grand homme connu, motomonene. Sans rien produire. Que des diplômes à présenter. Voilà, il regarde tout le temps TV5 et écoute RFI. Donc, le Congo n'est pas vraiment ça, c'est la difficulté. Ce qui fait que pour le moment, heureusement, comme l'école est à Kimbanse, à Kinshasa, là où j'ai grandi, tu as des jeunes gens qui font aussi l'université, qui vivent là, qui n'ont pas peut-être de grands emplois. Et on crée l'emploi local. Hein, c'est vraiment un emploi local des gens de Kinshasa qui font. Et je trouve que j'ai fait des bons résultats avec eux. D'accord. Pat? Ce que Bienvenue est en train de faire est une expérience assez particulière. L'éducation nationale au Congo avait initié il y a très longtemps, nous étions encore là-bas, l'apprentissage dans les premières années d'école primaire dans les langues nationales, en Swahili pour les pays de l'Est, à Kinshasa et dans certaines autres régions en Lingala. Mais lorsqu'on quittait ce début en Lingala pour transiter en français, c'était catastrophique parce que les outils n'existaient pas, on n'a pas étudié bien la transition. Est-ce que c'est cela qui, quelque part, a poussé Bienvenue à venir avec une autre approche? Et puis, comment est-ce que les autorités de l'enseignement national, en tout cas ceux de l'école primaire et secondaire, comment est-ce qu'ils voient votre expérience? Oui, il faut dire que la République démocratique du Congo est parmi les pays africains qui est les plus avancés en matière d'usage de langue africaine. On peut aussi, surprenant que c'est, mais c'est parmi les pays qui poussent les plus. Et maintenant, même au niveau du ministère, ils ont des projets qu'ils appellent Élan, où ils encouragent l'enseignement. Ils ont des écoles pilotes un peu partout dans le pays, où ils essayent à l'école primaire d'encourager l'enseignement de la langue nationale. Voilà, mais c'est ce que vous dites là, c'est ce que j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant parce qu'on n'était pas assez ambitieux. Parce qu'au fond de nous, on reste convaincus que
nous ne pouvons accéder aux sciences, nous pouvons accéder à la technologie, au savoir, que par le français, pas par nous-mêmes. Ce qui fait qu'on fait ça comme des petites expériences. Or, ça donne quoi à la tête d'un enfant qui a commencé à apprendre en primaire, deuxième primaire en lingala, ensuite quand il arrive en cinquième primaire, il commence à apprendre ça en français. Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire que ce que je vous enseigne maintenant en français, c'est élevé. Le lingala n'en est plus capable, l'équité n'en est plus capable. C'est pour cela que j'ai dit, je l'ai dit au ministère, il y a quand même, c'est un ministère, malgré les apparences, au niveau du ministère, il y a des experts, des gens, des fonctionnaires qui travaillent à fond et tout ça. Je disais ça à la direction, que moi, j'ai des outils, je voudrais qu'au bout de 6 ans, que je vous donne des preuves que je vais former des enfants en lingala, en chimie. Nous avons la section biologie, chimie, commercial, informatique, coupe et couture et pédagogie. On ouvre pédagogie cette année. Qu'ils seront aussi capables, compétents et peut-être même plus parce qu'on ne s'arrête pas seulement à la question de la langue. Nous, on revoit même les contenus. On veut former un enfant de Kingasani pour qu'il travaille à Kingasani. Pas pour qu'il espère un jour aller comme l'on fait la fuite des cerveaux. Ce qui fait que aussi bien les cours d'histoire, les cours de géographie sont concentrés sur le Congo. Donc ça donne, avec les autorités, ça donne. Je vois comment ça évolue. J'ai commencé des contacts avec les autorités en 2007. Je voyais comment ils me prenaient et comment on avance. Maintenant, c'est connu. J'ai dû même, parce qu'on a changé les programmes, maintenant l'école officielle, l'école obligatoire, c'est 8 ans. On appelle ça maintenant l'école de base. C'est l'école primaire plus 2 ans de secondaire. Oui. Et à partir de cette année, on va changer. L'école secondaire commence première année jusqu'en 4e année. Donc, c'est la même, les 12 ans toujours, mais 8 ans, les premiers 8 ans, c'est l'école obligatoire. Après 8 ans, tu peux laisser l'école, comme ça. Et 4e année, c'est l'école. Les 4 ans qui suivent, c'est l'école secondaire. On n'appelle plus 3e humanité, mais on appelle ça maintenant première humanité. Et la 6e, c'est qu'on appelait 6e secondaire, on n'appelle plus 6e secondaire, on appelle ça maintenant 4e secondaire. On termine maintenant l'école à 4e secondaire. Mais pour le nombre d'années, ça reste 12. Hein. Alors, pour faire le 8, les 2... C'était des propositions, maintenant c'est déjà appliqué. Oui, ça commence en septembre. Ok. Je me souviens, on avait discuté à l'époque avec le ministre, c'était Macaire, quelque chose comme ça. C'était Macaire ensuite. Qui initiait cette idée. On a discuté longuement avec lui, mais il ne nous a pas convaincus avec les théories qu'il avançait à ce moment. Ah, mais oui. Mais peut-être qu'après, ils ont continué. Mais oui, j'ai été invité maintenant pour établir les programmes des sciences de 7e et 8e. Moi, je leur ai dit, si l'école est obligatoire jusqu'en 8e, donc on doit former les enfants en chimie, en physique, de façon que quand il quitte l'école, ça lui sert à quelque chose. On commence l'école à quel âge ? À 6 ans. À 6 ans, donc à 14 ans, on est dans l'obligatoire. Dans l'obligatoire. À l'époque, lui, nous parlait de l'école primaire qui allait jusqu'à 14 ans. Il ne comprenait pas un peu parce que lui... Oui, les termes ont changé parce qu'à l'époque, c'était l'école primaire. Maintenant, c'est l'école primaire 6 ans, l'école secondaire générale. L'école obligatoire, c'est ça ? L'école obligatoire. On appelle ça école de base. Donc, c'est l'école de base. Ce qui fait que j'ai dû travailler au niveau du programme de chimie. Des physiques et tout avec d'autres experts pour essayer de produire quelque chose parce que bon, à 14 ans quand quelqu'un termine l'école il doit être capable quand même de lire et écrire, de décrire et pour le moment c'est pas encore donné quoi. Okay. Peut-être une dernière question dans ce sens-là. L'année suivante, c'est pas l'année prochaine, mais comment dirais-je, l'année qui suit, je crois qu'il y aura ceux qui vont entrer en dernière année dans les écoles en lingala. Oui. Ce sera l'heure de vérité, parce que on attend aux examens d'État qu'est-ce que ces jeunes-là vont produire comme résultat. De manière générale, aujourd'hui, quand on voit nos jeunes qui terminent les examens d'État, les résultats sont quand même un peu calamiteux. Mm-hmm. Du moins, si on les écoute parler, que ce soit en français ou en lingala, écrire, tout ça, de manière générale, ce n'est pas partout comme ça. Mais de manière générale, on ne peut pas être très, très fier de nos finalistes. Est-ce que le défi sera relevé par l'école de bienvenue Séné? Oui, nous travaillons pour que les défis soient relevés. D'abord, il y a l'école primaire. Parce qu'on parle beaucoup d'examen d'État, mais il y a les TENAFEP, l'examen d'État du 6e primaire qui existe aussi. OK. Ouais, donc parfois, ça s'appelle comment ? TENAFEP.
test national de fin d'études primaires. Ok. Mais beaucoup de gens n'en parlent pas, mais ça existe, qui s'est fait au niveau de toute la République. Okay. Et bon, nous, ça fait 3 ans que tous nos enfants, cette année, on vient de recevoir il y a 3 semaines les résultats, ils étaient à 38, tous les 38 ont réussi. Et pourtant, le test de TENAFEP s'est fait en français. Donc, on voit qu'ils sont compétents. Bon, maintenant, il faut aller quand même plus au loin, parce qu'il ne faut pas avoir de l'autosatisfaction comme ça. Nous travaillons pour que nos enfants, en 6e secondaire, puissent réussir l'examen d'état dans la règle de l'art. Mais nous savons tout ce que cela représente. Mais nous avons notre propre test que nous organisons, qui nous permet de dire que cet enfant peut réussir ou pas. Nous avons dit aux parents, nous avons notre propre test. Si ton enfant ne réussit pas à ces tests... Il ne présente pas. Il ne présente pas l'examen d'état. Okay. Donc, pour que nos enfants... Soient bien préparés. Parce que, je vous dis, par rapport à ce que je disais là tantôt de première année secondaire, deuxième année secondaire, nous avons eu des résultats catastrophiques dans notre école. Parce qu'il y avait un test comme ça pour les deuxièmes secondaires qu'on a fait pour essayer, comme un test pilote. Ce n'était pas officiel, mais ils ont organisé ça. C'était catastrophique pour nous. Mais quand j'ai entendu les résultats généraux, j'ai encore pleuré. Pourquoi ? Parce que nous, on avait 50 enfants. Il y en a 2 qui ont réussi plus de 25 sur 50. Il y en a environ 20 qui ont réussi entre 18 et 20, obtenu pas réussi, entre 18 et 20 sur 50. C'était catastrophique. Tu imagines quand même, c'est un examen où il y a 2 enfants qui ont au-dessus de la moyenne et 20 qui sont dans les 40%. C'était dû à quoi ? C'était dû à quoi? Ça, je vais revenir. Et puis, j'entends l'inspecteur nous dire que non, félicitations, vous êtes parmi les meilleures écoles de la province. Vous avez été 7e école de la... Oh là là. Ça veut dire que vous vous imaginez, on est 7e école de la province. Quand tu fais les 7e là, à Tchangou, vous avez Bonsomi, vous avez l'école des sœurs, vous avez quelques écoles catholiques qui sont puissantes là, qui ont pris les premières places. C'est catastrophique, vous comprenez. Et à quoi est dû cela? Je crois qu'il y a vraiment un sérieux problème, même du contenu, de la qualité de l'enseignement et des attentes des enseignants, des écoles. C'est comme... Bon, on fait un effort pour que les enfants fassent... Cette année, nous, à cause de ça, on change. Cette année, on commence avec 2 gonds. On appelle ça 2 gonds à Kinshasa. Je ne sais pas comment ici ça existe. Ça veut dire que les enfants étudient le matin. Et puis l'après-midi. Et puis l'après-midi, ils reviennent pour faire l'étude. Parce que nous avons remarqué que comme on est dans un milieu qu'on appelle populaire, ça veut dire milieu pauvre, les enfants, quand ils quittent l'école, ils vont à la maison. Il n'a pas une table où travailler. Il n'a pas de cadre. Donc, et parfois, l'enfant revient demain. Il a perdu ses cahiers, ses trucs. Donc, il n'y a pas un suivi. Ce qui fait que cette année... On va faire les 2 qu'on va sacrifier, même si on est une école. On est une école privée, mais on n'est pas une école commerciale. C'est vraiment une... Voilà. Donc, on fait... Une école sociale, disons-le comme ça. Voilà. On fait 2 gonds pour que les enfants apprennent tout à l'école. Quand ils rentrent à la maison, ils vont manger, jouer, dormir. Comme ça, on va essayer un peu de rehausser les niveaux. De leur donner aussi beaucoup de temps. C'est ce que je disais tantôt. L'école telle qu'elle est organisée, on donne peu de temps aux enfants de produire leurs propres travaux. Les enfants sont là en train de suivre l'enseignant pendant de 7h30 à 12h30. Bon, il a écouté, c'est tout. Bon, chez nous, ça va encore, c'est en français, en lingala. Ailleurs, il écoute ça pendant 5 heures sous le soleil en français. Il n'a rien produit. Il produit quand il va faire les devoirs ou... C'est comme ça. C'est pour ça que nous, on veut maintenant ajouter ça pour améliorer cette situation. On revient sur le dictionnaire. Voilà, nous avons un dictionnaire ici qui nous traduit, en tout cas, qui fait une traduction français et nos langues. La première question que j'aimerais te poser par rapport à ce dictionnaire, l'idée de ce dictionnaire, tu nous en as parlé, les contenus maintenant, comment tu as fait le choix des mots qui sont repris dans ce dictionnaire? Donc, il y a des études qui montrent que au niveau de l'école primaire, l'élève a besoin d'environ 2000 mots pour pouvoir fonctionner normalement dans une langue. 2000 mots. Et parmi les 2000 mots, il y a quelques mots qui sont essentiels dans son apprentissage. Ce ne sont pas des mots techniques de l'école, mais ce sont des mots de langage général que l'enfant doit posséder pour pouvoir bien s'exprimer.
Et au niveau de l'école secondaire, si l'enfant peut se débrouiller avec 3000 mots, il est capable. Et il fallait maintenant identifier ces mots. Bon, il y a d'autres recherches qui se font, par exemple en France ou en Belgique, où ils identifient les mots. Mais ces mots ne correspondent pas toujours aux mots importants dans les contextes congolais. Donc, il fallait aussi identifier... Il faut s'adapter à son environnement. Voilà, il fallait adapter l'environnement. Quels sont les mots importants de... Donc, on a dû faire ce travail-là de sélectionner. En se basant d'abord, il y a le programme national de l'éducation nationale au Congo. Donc, on a pris ça pour identifier les mots essentiels. C'est comme ça qu'on est parti du français. On l'a traduit en Lingala. J'ai le collaborateur Daniel Ngandu qui a traduit en Chiluba. François Météo qui a traduit en Kiswahili. Ange Mangwande qui a traduit en Kikongo et Sarah Motoni qui a traduit en anglais. Donc, on était quand même une équipe de différentes personnes. Et moi-même, j'ai traduit en Lingala. Donc, c'est sur base de ça. Et la conséquence en est aussi que, au niveau de la diaspora, parce que j'enseigne depuis plus de 15 ans maintenant le Lingala en Belgique, ça permet aussi aux personnes qui apprennent. C'est pour ça qu'on a aussi mis l'anglais, non pas seulement parce qu'à l'école secondaire au Congo, il y a l'anglais, mais parce qu'il y a aussi les enfants en Hollande, en Angleterre et tout ça qui fonctionnent avec l'anglais. Comme ça, on a essayé un peu de... Maintenant, c'est un peu ça, les contenus. Bon, ça va vite s'avérer que quelqu'un qui connaît vraiment les Lingala ou qui veut vraiment, il peut trouver des mots qui ne sont pas là. C'est un choix. Tu vois, c'est aussi 6 langues. Qu'il fallait faire. Surtout qu'on voulait d'abord tester un outil pour l'école secondaire, école primaire et secondaire. Okay. Et voir aussi par la suite ce que les enseignants et les élèves vont nous dire. Avant vous, bienvenue. Il y a eu le professeur Kawata qui a écrit un dictionnaire en Lingala, les éditions Saint-Paul aussi. Mmh. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ces deux noms pour travailler oui, je ne viens pas je ne viens pas du néant. Mmh. Il y a des gens qui ont tracé les chemins avant moi. Au niveau du Congo, il y a Nzokanga. Adolphe Nzokanga, il est mort déjà aussi. Je ne l'ai même pas rencontré. Il a abattu un grand travail de dictionnaire Lingala. Ensuite, il y a Kawata. Hentem qui est venu, qui a encore ajouté, et Kawata a produit même un dictionnaire qui était édité chez Karatala, qui est Lingala Lingala. Mmh.